J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Et tout pouvoir m'a été donné sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Merci Saint-Esprit pour ta présence, parce que tu peux t'assurer. Notre Père nous a enseigné depuis déjà sur les 12 étapes pour une prière exaucée à 100%. Alléluia. Numéro 1, c'était apprendre à prier soi-même. Tu dois apprendre à prier toi-même. Dis amen. Amen. Numéro 2, prier le Père Céleste lui-même seul, pas une autre personne. Alléluia. Dis amen. Amen. Prier au nom de Jésus. Dis amen. Amen. Confessez vos péchés. Numéro 4, demeurez en Christ. Numéro 5, que la parole demeure en nous. Numéro 6, pour être exaucé, tu dois avoir la parole qui demeure en toi. Amen. Obéir au commandement du Seigneur. Dites amen. Amen. Numéro 7. Numéro 8, soyez un chrétien qui porte de fruits pour être exaucé. Dis amen. Amen. Dis Seigneur, je porte des fruits. Amen. Numéro 9, ayez la foi chaque fois que vous priez. Alléluia. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. Nous sommes arrêtés là. Aujourd'hui, c'est le numéro 10, 11 et 12 pour en finir. Sous l'autorisation de mon Père spirituel, l'apôtre Paul ici, je continue ce que mon Père a commencé. Comme Jésus a dit, le Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Dis à ton frère, persévère. La persévérance est l'une des clés pour avoir une prière exaucée à 100%. Alléluia. Dieu aime les gens qui persévèrent. La persévérance marche avec la foi. Celui qui a la foi persévère, il perd ce pouvoir. Jésus nous a montré l'exemple dans l'île de Luc 11. Ça va prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc 11. Persévérer, c'est insister. Insister. Jusqu'à ce que tu obtiennes gain de cause. Jusqu'à ce que tu vois ce que tu as envie de voir. Ce que tu cherches, ce que tu obtiennes, ce que tu cherches. Seigneur, je veux insister. Seigneur, je veux insister. Seigneur, je veux insister. Seigneur, je veux insister. Non, tu fais lui trop fort. Seigneur, je veux insister. Je dois insister. Je dois insister. Il faut que j'insiste. Il faut que j'insiste. La Bible dit Jésus. Ça, c'est Jésus qui prie. Qui prie la parole. Dans Luc 11, à partir du verset 5. Il leur dit, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi trois pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importe-t-il pas? La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner du pain. Je vous le dis,
Même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui dirait tout ce dont et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. La persévérance. Insister. Bien aimé, la persévérance a des stratégies. Moi, je ne persévère pas n'importe comment. Regardez, quand j'ai médité sur ce passage, j'ai vu que l'ami est venu à quelle heure? Au milieu de la nuit. Alléluia. Au milieu de la nuit. La Bible nous dit quoi? Que Dieu fait quoi au milieu de la nuit? Pendant la nuit, Dieu fait quoi? Il bénit ses enfants. Yes. Le milieu de la nuit, c'est fait pour bénir ses enfants. Amen. Qui prie la nuit à 3h du matin? Est-ce que tu sais que lorsque tu te lèves au milieu de la nuit pour prier, tu importunes Dieu? Yes. Tu stoppes Dieu dans ce qu'il veut faire. Et alors ses yeux sont fixés sur toi. Yes. Parce que lorsque tu te réveilles la nuit, tu importunes Dieu. Amen. Alléluia. Il est sur le point de bénir les autres. Je me dis, mais toi tu es en train de pleurer, dis Seigneur, regarde ma situation. Alors il s'arrête. Yes. Il vient régler ton problème. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Persévère dans la prière. Pendant la nuit, persévère. Ne dors pas la nuit. Importune Dieu pendant la nuit. Amen. Et la femme vertueuse l'avait compris. C'est pourquoi la Bible dit elle se lève la nuit. La femme vertueuse se lève la nuit. Oui. Jésus ne parle pas en vain. Quand Jésus prend un exemple, c'est que c'est peut-être pas dans la Bible. C'est que ça. La Bible me dit dans le livre de Proverbe 31, verset 15. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Lève dans quoi? Dans la prière. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit pour aller importuner Dieu. Est-ce que tu comprends? Toi, tu t'avais souvent le matin. Quand tu as recommandé les moments du matin, là, après la nuit, là, tu recommences souvent les moments. Oh Seigneur, merci, oh, toute la journée. Après, tu dors plus. 9h de jour, tu rates même le travail, tu arrives en retard. Or, la stratégie pour quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui connaît les heures. Quelqu'un qui connaît au moment où il est à chaque instant. C'est-à-dire qu'il ne dort pas. L'heure là où tu es censé bénir, il vient pour crier, ah, ah, moi j'ai besoin, moi j'en ai besoin, Seigneur, regarde-moi, regarde-moi. Au moment où il veut bénir Badinga, il entend ta voix en train de crier. Parce que Badinga est en train de dormir. Toi, pour les paix, tu cries. Yes. Notre Père spirituel dit souvent que c'est l'enfant qui pleure la nuit qui a le sein. Même si tu as 50 enfants, si tu entre les 50 là, s'il y a un qui pleure la nuit, tu vas t'occuper de celui qui pleure. Amen. Tu ne vas pas réveiller les autres là pour dire réveillez pour l'autre pleure. Non. Tu vas t'occuper de celui qui pleure. Dieu s'occupe de celui qui persévère dans la prière. Amen. Donc, chaque fois cette nuit, bien aimé, ne dors pas, dis à ton frère, ne dors plus la nuit. La Bible nous dit ici qu'elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Qui donne la nourriture à la maison la nuit? Les gens dorment. Faut être spirituel. Yes. Donc, elle va lever son mari la nuit à 3h du matin et venir manger. Ce sont des paroles. Quelle est la nourriture? Ce sont des proclamations. Amen. Les proclamations prophétiques sur la journée qui va commencer. Alléluia. Ce sont des proclamations. Elle demande à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Elle importune le pain. Amen. La Bible dit, elle attache à ses servantes. Alléluia. Toi, tu as déjà prié, tu as prié, tu as déjà demandé, Seigneur, tu as déjà prié, on a fait les prières, mais tu n'as pas persévéré. La personne qui persévère ne dort pas la nuit.
La personne qui persévère ne connaît pas de repos. La personne qui persévère ne dort pas la nuit. Viens, pourquoi la personne qui persévère ne dort pas la nuit? Arrête de dormir la nuit. Je parle sous ton pas. Les femmes, vous ne devez pas dormir la nuit. C'est la nuit que vous devez donner le pain à votre maison. Ça veut dire que vous priez pour votre mari, pour que quand il sort là, il ne revient pas les mains vides. Alléluia. Si ton mari sort de la maison, le matin il revient sans contrat, c'est ton procès, ta faute à toi la femme. Il revient sans le cadeau que tu attends, c'est ta faute à toi la femme. Parce que tu n'as pas donné la nourriture, la nuit tu n'es pas levé pour donner la nourriture à ta maison. Tu n'as pas donné des ordres à tes servantes, des serviteurs, des servantes, c'est quoi? Ce sont des anges que Dieu nous a donnés. Yes. Tu n'as pas donné des ordres aux anges. Et tu attends quelque chose en retour. Alléluia. Dis à ton frère, ça doit changer. Persévère dans la prière. Ne t'arrête pas, ne dis pas que j'ai prié pendant 1 an, 2 ans, 10 ans. Certainement, tu n'as pas encore percé. Yes. C'est la même situation, tu n'as pas encore percé pour voir ce qui est derrière. Ne te relâche pas. Il y a quelqu'un qui était venu ici, elle avait dit qu'elle a fait le bac combien 7 fois, je ne sais pas. C'est pas 7 fois, elle est allée à l'école supérieure. Elle avait continué. C'est aujourd'hui, beaucoup de personnes savent l'église. Ça, je vais y retourner à l'école. Elle est repartie en tout cas, c'est terminal. Alléluia. Elle était en licence, c'était en licence qu'il fallait le bac pour valider le passage. Elle est repartie à l'école en terminale. Elle a reporté la tenue de l'école. Je l'ai dit, persévère, ça va aller. Cette année, elle a eu son bac d'office. Alléluia. Amen. Ne regarde pas à ton âge, au nombre des années que tu as fait en Christ. Ne regarde pas le fait que ton mari, tu parles, il n'y a pas de changement. À tes enfants, il n'y a pas de changement. Ne regarde pas ça, persévère, continue. Un jour, tu vas percer et tu vas voir ce qui est derrière. Amen. La gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La solution n'est pas aller d'église en église. La solution se trouve en toi. Tu dois persévérer. Tu dois te réveiller la nuit. Si tu as prié le matin, ça n'a pas marché, fais la nuit. Si la nuit ça ne marche pas, à midi. Faudrait que Dieu te voie partout. Yes. Dieu doit t'entendre partout. Amen. Et Dieu doit m'entendre partout. À chaque heure, Dieu doit m'entendre. Vous savez, il y a des gens que quand ils marchent, ils prient. Il prie dans le cœur. Il y a des gens qui voient quelqu'un, la personne assise va se faire. C'est une prière. Prier sans cesse. C'est pas un prier. Non. Tu peux prier à chaque instant, chaque fois que tu marches, tu respires, tu es en prière. Toi, tu as prié Dieu 3 fois, 4 fois. Tu as vu que tu n'as pas le travail, tu commences à changer l'église. Tu commences à dire le nom. Tu vas devenir un chrétien papillon. Chrétien papillon. Et Dieu ne traite pas avec les papillons, mais avec des aigles. Yes. Alléluia. Amen. Dieu ne traite pas avec les papillons, mais avec des aigles. Amen. Persévère. Tu as un rêve. Tu as une vision. Persévère. Amen. Rien n'est facile. Même Christ ne te trompe pas. Il te dit, viens, suis-moi, je te donnerai du mais sache que, avec les persécutions, yes. Dieu ne trompe personne. Il est ce que tu veux là, gloire que tu veux là. Tu l'auras, mais il faut traverser. Yes. David, c'est pourquoi David disait, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est parce que David a traversé la mort combien de fois, on ne peut même pas compter. Pour obtenir quoi? La victoire. Yes. Jésus lui-même, il a traversé la mort. Mais toi, tu n'as pas persévéré. Une fois, deux fois, trois fois, tu n'es pas fatigué. Alléluia. Tant que Jésus n'était pas arrivé à la croix, il ne pouvait pas s'asseoir.
ne peux pas rester couché. Alléluia. Amen. Même si c'était en rampant, Jésus devait arriver. Il fallait qu'il arrive à la croix. Bien-aimé, persévère. Il faut que tu arrives à l'endroit où Dieu doit te bénir. Il faut que tu arrives dans ton lieu de repos. Il faut que tu témoignes un jour, que tu dises un jour, mais j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Amen. Il faut que tu le dises. Yes. Ce n'est pas moi le pasteur qui va persévérer à ta place. Mm. C'est toi qui dois persévérer. Amen. Ouais. Tu dois persévérer. Je dis souvent, de même peu importe ton âge, il n'y a pas de vieux chrétiens. Alléluia. Je dis, nous sommes tous jeunes en Christ. Amen. La Bible déclare qu'il renouvelle nos forces comme l'aigle. Même si tu fais 50 ans en Christ, tu es jeune. Pour Dieu, tu es son enfant. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'avec Dieu, on peut toujours recommencer. Mais quelle est la situation, quelle est l'erreur que tu as faite pour que tu restes à terre, que tu dises que tu ne peux pas persévérer? La Bible dit qu'il y avait deux choses. Celui qui réunit Christ sur terre sera réunit auprès du Père. Et celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. Mais nous voyons l'apôtre Pierre qui a régné Christ contre le roi trois fois. Mais malgré cela, Christ l'a repris dans sa présence. Quelle est la situation? Qu'est-ce que tu as fait qui t'empêche de persévérer? Qu'est-ce que tu as fait qui t'empêche de persévérer dans la prière? La Bible dit que Dieu cherche une seule personne. Parmi les fornicateurs, parmi les voleurs, parmi les menteurs, parmi les prostituées, qui puissent intercéder. Oh, alléluia. Alléluia. Qui puissent persévérer. Amen. Il cherche une seule personne yes. dans ta famille pour persévérer. Amen. Pour persévérer. Amen. Et c'est toi. Alléluia. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi. Dis, c'est moi qui l'as choisi. C'est moi qui l'as choisi. Il cherche une personne notamment pour persévérer. Et c'est toi qui l'as choisi. Amen. Alléluia. Il cherche quelqu'un. Amen. Ne te fatigue pas. Amen. Dis, je ne me fatigue pas, Seigneur. Je me relève. Je me relève. Je me relève. Je me relève. Et je persévère. Mais voyez, Seigneur, je vais persévérer. Seigneur, je persévère. Pourquoi je persévère? Peu importe la situation que je traverse. Je persévère. Même si je suis à genoux. Persévérer. Tu
Je résiste. Même si ma sœur n'y a plus d'espoir, t'es déjà fatigué. Arrête, t'es déjà fatigué. Mais mon esprit dit que je sors fort. La Bible nous dit que le prophète Élisée, même étant mort, ses ossements ressuscitaient. Même n'ayant plus la chair, ses ossements ressuscitaient. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Même si mon ministère, tu dis qu'il n'y a plus rien, ça ressuscitera toujours les morts. Je vais y arriver. Dis, je vais y arriver. Christ vit en moi. Je vais y arriver. Alléluia. Yes. Dieu m'entendra parler de moi. Mon passage sur la terre ne sera pas en vain. Je persévère. Je sais que c'est difficile. Il y aura des moqueries. Alléluia. Si Jésus a vaincu, tu as déjà vaincu. Yes. Yes. Si Jésus avait échoué, on devait trembler. On ne serait même pas là. Mais comme il a déjà vaincu, tu vois tout ça. Amen. Acclame ce Dieu. Tu es bon. Luc 18. Luc 18. Toujours. Pour la persévérance. Jésus leur adressa. Luc 18. Ah oui. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne pas se relâcher. Je ne veux pas me relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Là, il s'agissait de combat. Alléluia. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, mais en même parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge Ilique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crie à lui jour et nuit, qui crie à lui jour et nuit, qui crie à lui jour et nuit, et Seigneur, on crie à toi jour et nuit. Yes. Le jour tu dois crier, la nuit tu dois crier. Amen. Le jour tu dois crier, la nuit tu dois crier. Amen. Il s'agit là de justice. Yes. Il s'agit là de combat. Yes. Contre la partie adverse. Yes. Qui est notre partie adverse? Ce n'est pas ton frère qui est dans l'église. Même si tu as des petits soucis avec ton frère qui est dans l'église. Ce n'est pas lui ton ennemi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les esprits méchants, les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants assis dans les lieux célestes. Yes. C'est contre eux. Yes. Donc la Bible dit, jour et nuit, jour et nuit, Père, que ta justice vienne. Rends-moi justice, Père. Tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, fais-moi, rends-moi justice face aux sorciers. Rends-moi justice face à la malédiction. Seigneur, que ta justice vienne. Amen. Et la Bible dit qu'il va le faire. Amen. Mais quand tu t'arrêtes seulement le matin, il va se décharger la nuit. Vraiment.
Quand tu ressens la lumière, que quand tu viens chez toi, que même avec toi, il te donne ça, ce tu te regardes parce que tu as mal au corps. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien tu t'arrêtes seulement la nuit, mais le matin tu n'agis pas. La Bible dit dans le livre des Psaumes que le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Ça veut dire que l'ennemi ne dort pas. Alléluia. Amen. Toi tu dors, tu blagues. Mais Jésus te fait comprendre qu'il ne faut pas blaguer dans ça. Jour et nuit, prie. Yes. Si tu n'as pas de sujet, fais même. Ah Seigneur, aide-moi, Père. Viens à mon secours. Alléluia. Amen. Il a dit jour et nuit. La Bible déclare que Jésus a déjà tout accompli. Yes. Donc l'ennemi ne doit plus te retenir quelque chose. Mm-hmm. Donc si tu sens qu'il y a quelque chose qui est retenu par l'ennemi, demande la justice de Dieu. Oh, yes. Demande la justice de Dieu. Oh, yes. Demande la justice de Dieu. Amen. Si tu vois que ton ministère est retenu, demande la justice de Dieu. Amen. Si tu vois que ta vie de prière est retenue, demande la justice de Dieu. Si tu vois qu'il y a quelque chose que Dieu t'a donné, demande la justice de Dieu. Yes. Jour et nuit. Persévère. Amen. Persévère. On va chercher à te décourager. Oh, depuis que tu pries là, il n'y a pas ça. Depuis que tu as pris là, c'est comme ça. Et pourtant tu es une. Et pourtant tu es un. Et pourtant tu pries pour les malades. On a dit ça, je dis, si tu es de sauve-toi toi-même. Ça n'enlève pas qui tu es. Yeah. Les moqueries des gens n'enlèvent pas qui tu es. Yeah. Ils se sont moqués de Jésus sur la croix. Est-ce que ça a dit mieux Jésus? Non. Il était toujours Dieu. Alléluia. Ah. Que les moqueries des gens ne t'affectent pas. Oh. Que ça ne te touche pas. Ça n'enlève pas qui tu es aux yeux de Dieu. La Bible dit que si on a traité Jésus comme ça, on va te traiter comme ça. Vérité. On dit si tu es réellement chrétien. C'est à ce moment-là que tu prends la parole de Dieu comme élu. Si je suis un homme de Dieu, yes. Que le feu descende. Yes. Et vous consume. Amen. Hey, Yahweh. Faut organiser ça. Yes. Amen. Quand on vous embête, si je suis un fils de Dieu, c'est de l'engager. Alléluia. Si je suis, c'est quand tu sais qui tu es. Oui. Alléluia. Amen. Dis je suis. Je suis. Ce que Dieu dit que je suis. Ce que Dieu dit que je suis. Un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Yes. Si tu ne sais pas persévérer là, tu ne peux pas être exaucé à 100%. Nous avons vu dans les deux cas quelqu'un qui a importuné son ami et son ami lui a donné. On a vu quelqu'un qui a persévéré. La Bible dit que pendant longtemps, elle est venue, pendant longtemps. Et parce que pendant longtemps, elle a crié justice. Le juge lui a dit bon, elle me casse la tête. Je vais donner ce qu'elle veut. Alléluia. Amen. Sois persévérant. Amen. Dis à ton frère, sois persévérant. Alléluia. Amen. L'autre point, le 11e point, c'est ne priez pas de travers. Dis à ton frère, ne prie pas des autres. Ne prie pas de travers. Ne demande pas à Dieu les choses qu'il ne veut pas te donner. Alléluia. Je déclare que tu vas maigrir. Si tu pries pour prendre le mari de la femme de l'autre, tu vas maigrir. Tu vas maigrir jusqu'à tu vas nous dépasser même la momie. Dieu ne va pas t'exaucer pour ça. On ne prie pas pour ce genre de choses. Tu n'es pas marié, tu vas prier Dieu pour avoir un enfant. C'est logique. Hein? C'est logique. C'est pas logique. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour aller en mariage. Vous allez voir mes livres. Vous savez,
n'a pas prié pour aller au mariage. Elle a changé son comportement. Yes. Elle a changé son identité. Yes. Elle a changé sa partie extérieure. Elle a tout changé ses coutumes même. Elle s'est adaptée aux coutumes du pays dans lequel elle était. Mais elle a prié et jeûné pour avoir la vie sauve. Yes. Ouais. Il faut bien excuser, faut bien comprendre. Le jeûne d'Esther. Quand tu dois être marié, tu as fait le jeûne d'Esther. Vraiment. Tu vas rentrer dans ce mariage-là avec le même caractère de la maison de ton père. Avec les mêmes comportements, ça ne va pas marcher. C'est le feu là-bas. Alléluia. C'est le feu là-bas. C'est le feu là-bas. Tu as dit, moi si mon père, on faisait comme ça. Tu n'es plus chez ton père. Vraiment. Donc les trucs priés pour imposer. Le mariage, c'est un droit. C'est, le mariage, c'est quelque chose. On ne prie pas pour se marier. On ne prie pas pour se marier. On ne jeûne pas pour se marier. Si on t'a dit ça, c'est faux. Si tu vois dans la Bible, quelqu'un qui sache qui a jeûné et prié pour se marier. Qui a prié à Dieu, je veux me marier dans la Bible. Qui? Donc ça, ce sont des fausses prières. Mais, à contrario, si on t'a maudit, tu dois simplement enlever la malédiction. Alléluia. Tu prises la malédiction. Donc ne prions pas de travers. Ne demandons pas les choses qui sont abusives. Alléluia. Amen. Ne demandons pas les choses qui ne sont pas bibliques. Demandons à Dieu ce qui est écrit dans sa parole. Faisons comme la Bible dit. Personne, aucun célibataire dans la Bible n'a prié Dieu pour avoir un enfant. Hein? Si c'est faux, de le même moi que c'est faux. Telle a prié, telle célibataire, telle m'a mariée, elle a prié pour avoir un enfant. Personne. Donc ce sont des fausses prières, là tu pries en désordre. Ne prie pas pour demander la mort de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une femme, une maman qu'on a subissée. Elle avait sa rivale. Alléluia. Elles étaient deux. Le mari n'avait pas épousé les deux. Mais elle était dans la maison. Mais elle venait nous voir pour qu'on prie pour l'autre fasse l'axe. Quand on faisait le travail spirituel, essayez de les rester à côté d'elle. Vous allez rire. J'envoie le feu dans sa voiture. Elle fait tonneau. Je dis, la maman là, non. Elle s'est mariée. Mais quand elle s'est mariée, je lui avais dit, prie pour que cette dernière trouve son mari. Tout ce qui t'a déjà épousé. Mais non, elle voulait absolument la mort de cette dernière. Je lui dis aujourd'hui là, le mari a épousé cette dernière. C'est la deuxième femme. Donc il y a des prières qu'on ne demande pas à Dieu. Il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu. La mort de quelqu'un. La Bible dit, priez pour vous. C'est l'ennemi. Vous imaginez si tous les sorciers meurent aujourd'hui là, le ciel aura combien de personnes? Hein? Alléluia, parce que les sorciers sont plus nombreux. Si. Ceux qui sont dans la sorcellerie sont plus nombreux que les petits. Oui. Donc si on les tue tous aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Donc, il faut savoir ce qu'il faut demander. Et il faut demander ce qui est juste. Amen. Demande ce que Dieu peut te donner. Yes. Alléluia. Amen. Demande ce que Dieu peut te donner. Dis, Seigneur, Père, je vais demander désormais ce que toi tu peux me donner. Et ce qui est raisonnable. Tu n'as pas venir devant le tu dis, Seigneur, je dors là, je me réveille le matin, je veux ressembler à la reine d'Élisabeth. Le matin, tu vas ressembler toujours à toi-même. Il y a des prières qu'il ne faut pas demander à Dieu. Parce que ce sont des prières insensées.
Alléluia. Oui. C'est dans Jacques 4. Que Dieu, que la justice de Dieu s'abatte sur toi. Que Dieu te frappe, tu te remets à tout ça. Vous voyez. Hey. Dis Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. J'ai lu dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, je pense le peuple de Benjamin qui avait péché. Ils avaient violé la concubine d'un lévite. La Bible nous dit que les autres tribus se sont levées contre eux. Ils ont fait la guerre à la tribu de Benjamin. Mais en aucun moment, le mot ennemi n'a été employé dans ce livre. À aucun moment, la tribu de Judas a dit que la tribu de Benjamin était son ennemi. À aucun moment. Il peut y avoir des conflits entre frères et sœurs dans l'église, mais nous ne sommes pas des ennemis. Yes. Donc, je ne peux pas demander ta destruction. Jamais. Dis jamais. Jamais. Je te demanderai la destruction d'un frère. Ou d'une sœur. Alléluia. Amen. Nous avons le dernier point. Alléluia. Dieu est bon. Le dernier point que nous allons voir, c'est faire comme le Père. Priez seulement comme vous voyez le Père faire. Dis aïe. Là, ça fait mal. Faire comme le Père. Le plus souvent, on a envie d'inventer des choses nous-mêmes. On a envie d'inventer des prières nous-mêmes. Et quand tu inventes ta façon de prier, le plus souvent, ça ne marche pas. J'ai voulu inventer, moi je ne sais pas comment j'ai voulu inventer, j'ai voulu tester. Notre Père avait prêché sur les quatre dons. Alléluia. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé prendre la Bible. Je me suis dit, ça la cour. Je n'étais pas encore pasteur. Je me suis dit, ça la cour. J'ai commencé à dire, ah, le vent du Nord vient souffler. Emmène loin, je commence à parler. J'appelle les quatre vents, je commence à appeler. Et quand j'ai commencé à jouer avec ça, tout d'un coup, il y avait un calme total. Les feux ne bougeaient pas authentiques. J'ai regardé les buissons hauts. J'ai dit, on dirait que le temps s'est arrêté. Après, quand j'ai commencé, je suis allé dormir. Mais ce que j'ai vu la nuit, ah, mon Père APM, Jésus, j'ai vu un tourbillon noir qui cherchait à m'emporter. Tu nous as appelés. Ouais. Pourquoi? Il n'y avait rien à la concession de l'homme de Dieu. Hein? Tu es la concession de ça. Tu nous as appelés. Pour venir balayer quoi? C'est toi seul qu'on a tu vois la cour. C'est toi même qu'on a tu vois la cour. Papa! Il me dit ne fais plus jamais ça. Ne fais plus jamais. Il faut que le Père te montre. Yes. Il te montre les clés. Yes. Tu peux, tu peux essayer de faire du monde dans le matin, tu viens partir. Ah oui? Parce que c'est toi qu'on venait balayer. Alléluia. Amen. Ne jouons pas avec les choses de la Bible. Yes. Ne jouons pas avec ça. Alléluia. Je vous dis la vérité. Si votre pasteur vous montre un système de prière, faites le système, n'inventez pas, ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Ce jour-là, je vous assure, vous ne devez même pas pouvoir aujourd'hui ici. J'ai prié papa. Alléluia. On ne joue pas avec les éléments. Yes. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas encore prêt, si vous n'êtes pas encore consacré, si on ne vous a pas encore introduit, n'essayez pas. Alléluia. Amen. N'essayez pas. Faites comme vous avez vu votre pasteur faire. Faites comme vous avez vu votre berger faire. Faites comme vous avez vu votre père faire.
Alléluia. Amen. Jésus a dit de faire lire lui-même. Jean 5, 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait rien de lui-même. Donc tout ce que Jésus est venu faire là, il n'a rien inventé. Amen. Il a été enseigné. Mais si on t'a pas enseigné quelque chose, je ne vais pas essayer. N'essaye même pas. Amen. Alléluia. Amen. Si on ne t'a pas enseigné comment ouvrir le ciel, n'essaye même pas. Yes. Sinon tu vas ouvrir, tu vas t'arrêter au deuxième ciel. Et en nous savons ce qu'est le deuxième ciel, ce qui va descendre. Ah, tu vas m'envoyer la panda. Beaucoup de gens ont perdu la tête. Parce qu'ils ont essayé ce qu'on ne leur a pas enseigné. Et après, on va dire que non, c'est l'église de Christ. Non, parce qu'ils ont voulu essayer ce qu'on ne leur a pas enseigné. Comme moi, j'ai voulu essayer ce que mon père ne m'avait pas enseigné. Parce que j'ai entendu parler. Alors que lorsqu'il m'a introduit pour parler à la tempête et le vent, j'ai essayé. Ça a marché mal. Alléluia. N'essayez pas beaucoup de chrétiens. On a dit que l'église de réveil, ça rend les gens fous. Non, c'est pas l'église qui rend les gens fous. C'est parce qu'ils veulent essayer sans qu'on ne leur montre. Ils sont tellement zélés. Ils vont dire qu'ils devaient même plus que Jésus. Jésus a été enseigné, mais eux, ils ne veulent pas être enseignés. Même Jésus qui avait le Saint, la plénitude du Saint-Esprit, il a été enseigné. Alléluia. Amen. Toi qui fais les mauvaises choses comme moi là. Alléluia. Mais toi tu ne peux pas être enseigné. Mais celui qui était saint, 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 rempli de la plénitude du Saint-Esprit, il a accepté d'être enseigné. Il a dit à Jean, faut laisse faire ce qui doit être fait. Yes. Faut laisse que les choses soient faites correctement. Je dois passer entre tes mains. Oui. Mais toi, tu ne veux pas passer entre les mains de quelqu'un. Tu dis que non, on a tous reçu le Saint-Esprit. Ah! Après, tu vas te retrouver dans cette situation-là. À crier, Jésus, Jésus. Pas Jésus que c'est bien. Mais Jésus que tu as perdu la raison. Parce que tu n'as pas voulu être enseigné. Si tu vois un passage de la Bible, dans les livres de Job, là, ne pas faire sortir la grande cause. Tu as dit que non, on parle de la grande cause. Bon, moi aussi, moi je suis comme l'homme de Dieu à parler. Bon, tu m'emmènes. Bon, je réveille le mort. Voilà la grande ours. Sors avec tes petits. Et tu sais ce que l'ours fait? Qui a déjà vu l'ours en colère? On voit la télé, je n'ai vu sa télé, je n'ai pas voir sa mise à vie. Avec ses petits. Donc, fais ce que ton père fait. Comme tu vois ton père en vie, depuis que ton père fait ce qu'il fait, il en vie. Fais aussi ce que ton père fait. N'invente rien. N'expérimente rien. Amen. Même si le Saint-Esprit te parle, hein, la Bible dit que lorsque Samuel a entendu la voix, il est parti vers son père. Même si le Saint-Esprit te parle, va voir ton père que ah, j'ai entendu comme ça. Et ton père va confirmer. Amen. Va te dire oui, vas-y, fais, ça vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu as reçu une vision. Va dire que moi j'ai reçu une vision. Oh, moi je prends la Bible. Oh, je fais mon Bible. Après la vision là, ça va être divisé. Alléluia. Amen. Tu as une vision, va vers ton père. Va vers ton pasteur, que j'ai reçu telle vision, et voici ce qui monte dans mon cœur. Et alors, ton père et toi, vous allez être un. Ton père et toi, vous allez être un. Et vous allez examiner la vision pour que tu t'arrives rien de mal. Fais ce que ton père fait. Alléluia. Amen. N'expérimente pas. Car Jésus n'a rien expérimenté lui-même. Que moi je veux créer mes expériences. Il n'a rien créé comme expérience. Il a dit que ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, tous les miracles qu'il a fait sur terre, tous les miracles qu'il a fait, le Père l'avait déjà fait dans l'Ancien Testament. Amen.
Amen. Donc il n'a rien inventé. Donc toi aussi n'invente rien. Il perd, je n'invente rien. Je vais tout faire comme toi. Alléluia. Amen. C'est bon de découvrir les choses. Mais quand tu découvres quelque chose, va vers ton père. Comme a fait Samuel. Va demander à ton père. Alléluia. Amen. Maranatha. Jésus. On se lève. On acclame le Seigneur. La gloire est à Jésus. Nous avons vu que nous devons persévérer dans la prière. Alléluia. Et nous avons vu que nous ne devons pas prier de travers. Quelqu'un ne peut pas venir dire, Seigneur, je veux avoir l'argent sans travailler. C'est pas possible. Personne n'échappe à cette malédiction que tu mangeras à ciel de ton front. Hein? Oui. Ça, là, même en Christ, là, tu n'échappes pas à ça. Hein? Même en Christ, tu n'échappes pas à cette malédiction, tu mangeras à ciel de ton front. Donc, si tu pries Dieu, dis, Seigneur, je ne veux pas travailler. Mais avoir beaucoup d'argent, c'est pas bon. Ça, c'est une mauvaise prière. Tu dois travailler et avoir de l'argent parce que tu as travaillé. C'est ce qui est juste. Alléluia. Amen. Tu vas prendre un autre verset pour dire, mais David a dit que tu habiteras des maisons que tu n'as pas construit. Oui, mais tu vas déployer ça. C'est le travail aussi. Allez, ta maison, c'est du travail. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, je veux persévérer. Tu vas dire, je ne veux pas. Et même avoir pris pour toi-même. Si tu étais découragé. Si tu étais découragé par rapport à la situation. Mais maintenant, je ne veux pas me relâcher. Je ne veux plus me relâcher. On élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis Seigneur, je veux persévérer dans ma situation. Je veux persévérer dans la prière. Je veux prier jour et nuit. Je ne veux pas me relâcher. Je ne veux pas me relâcher pour ma famille. Je ne veux pas me relâcher. Je ne veux pas me relâcher. Élève ta voix. Je vais demander ce qui est juste. Élève ta voix. Père, nous ne voulons plus avoir des prières insensées et prier de travers. Nous voulons demander ce qui est juste et ce qui est dans ta volonté. Nous ne voulons pas demander des choses qui sont hors de ta volonté. Nous voulons demander des choses qui sont dans ta volonté. Père, aide-nous à demander des choses. Nous ne voulons plus prier de travers. Alléluia. Nous allons dire, nous voulons faire les choses comme tu as fait. Nous voulons t'imiter, Jésus. Nous voulons être tes imitateurs. Nous ne voulons rien inventer. Et même t'avoir dit que je vais être comme toi. Je vais suivre ton exemple. Je vais faire comme le Père a fait.